Salut tout le monde, c'est Burry Day, c'est Raphaël. Salut. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la Ligue des Masters de Snake. Donc aujourd'hui donc ça sera le match face à Raymond en championnat. Et Raymond sont quatrième et nous troisième, à 5 points de différence et on est à 3 points de Nakachev. Donc match hyper crucial. Ok, donc on se retrouve juste après pour les compositions d'équipe. Donc nous revoilà, c'est parti donc pour Snake Raymond. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Salut à vous Grégoire, salut à tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est une rencontre qui à mon avis va être très très intéressante. Gros enjeu. Oh, match aller, il y a eu 7-2, c'est ça? Oui, non, mais je l'ai dit hors vidéo. Oui, Snake a gagné 7-2, donc au match aller. Il n'y a pas de raison pour que ça fasse pas pareil. Koscielny. Armero. Raphaël. Il y va tout seul. Ça peut faire mal. En force et ça ne passe pas. La prochaine fois, garçon, un peu de finesse, c'est bien aussi. T'as entendu? Quoi? Elle a dit, garçon, la prochaine fois, un peu de finesse, ça ira aussi. C'est une cartouche pour lui. Carré, c'est presque pas. Il n'aura pas fallu attendre longtemps. Ouh. La ligne a été pas loin de la reprendre. Pour frapper là. À côté. Dalle. Le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire. C'est pas terrible ça par contre. C'est vraiment dommage. J'aurais pu me faire. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va leur réussir à tout au tard. Un grand dégagement le plus loin possible. Il tente de la jouer dans l'espace. Oula. Il n'est pas en jeu. Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, putain. C'est dangereux. Ouf, c'est le premier frisson dans cette partie. On se retrouve tout seul face au gardien. On doit faire mieux que ça. C'est ouais, très mal joué tout de seul. Il a déjà le coup, c'est pas Owen. Il la repousse. Hazard. Il peut encore frapper. Oh, c'est chaud là. À côté d'un rien. On a l'impression. Oh là là, pas de bol, ça passe juste. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Cette rencontre a démarré sur les chapeaux de roue avec beaucoup de frappes. Il faut juste s'appliquer un peu plus. Raphaël, il garde ce ballon. William. Attention à cette passe lobée. Il peut y aller. Ok. Ah ouais, c'était pour toi, du coup, c'était pour Messi. Okay. Joué. Si tu veux. Et bien sûr, s'appliquer l'importance du coup de pied arrêté. Oula. Oh la tête! Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré! Ouais, j'aurais pu la mettre. Hein. Putain, on est où sur le terrain, abusé? Dans le dos de la défense. C'est bien fait ça. Ouais, mais je me dis. Longue ouverture. Raphaël se projette vers l'avant. Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. Il avait pourtant du soutien côté gauche mais il a préféré y aller seul. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Hein. Dans le dos de la défense. Ah, il va commencer à me casser les couilles. Sur la ligne est servi. Deux fois qu'une critique déjà. Bien présente. Et en plus j'ai même pas vu ton gars côté gauche. C'est pas les couilles. Oh joli! Messi! Messi! Eh bien on n'aura pas attendu longtemps pour assister à l'ouverture du score.
Toi, tu passes pas. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Ça doit faire but. L'arbitre assistant n'a pas levé. Voilà. Parfait. Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant deux buts d'avance. La passe était millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre. Alors, foiré. Maintenant. C'est vengé. Ah, mais la faute. Il est juste sur le côté. Si j'arrive un jour. Ok. Pourquoi j'arrive pas? Ah, bah oui, c'est vrai que je suis con. Je peux pas choisir d'autres. J'ai oublié de faire une passe en fait. 15 minutes se sont écoulées. C'est pas plus mal. Ah oui. Ouais. 3 buts d'avance, l'affaire semble être. Putain, 10 premières minutes est compliqué, mais là, ça déroule. Hein. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Pogba. Il glisse le ballon en profondeur. Il est à distance de tir. Pour trouver la faille dans la défense. Ouf, corner. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. Oui. On se peut pousser un gros ouf de soulagement. Alors là, c'est incroyable. J'aurais pourtant juré que ça allait finir dedans. Oh, il va le détirer, tu vois. Trop près peut-être. Oh non, oh, il était super bon tiré. Ouais. Il fait partie de la Perrin était. Il était dans la mouise. Va-t-il en profiter? Il file dans l'axe. Faut trop avoir mon défense. Raphaël, il a de l'espace. Ouais, Danilo, ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile là, de réussir son tir dans ces conditions. Parce que tu m'as fait Vidal, mais c'est de la merde. Fabio. Allez, ça peut faire mal. Raphaël vient servir sur le côté. Bon ballon dans la surface de réparation. Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. William. Danilo. Ok. Continue à avancer. Ah, je l'aurai pas. Directement pour le gardien. Pogba. Neymar. Un long ballon dans l'espace. Armero. Koscielny. Danilo. Une très longue passe. Oui. Ça joue long. Il reçoit le ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. Messi reçoit le ballon. Il reçoit le ballon. Ah, salope. Pas très fort, très loin, ça soulage. William. Raphaël qui commet une petite faute. Ok. Je sais pas si c'est des fautes, mais. Ouais. Pas grand chose. Hein. C'est peut-être un petit peu loin, mais on ne sait jamais, vu la qualité de sa frappe. Allez, tu me la mets. Non, c'est pas assez fort ça. Ouais. C'est pas possible. Kyle Walker, il allonge. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Armero. Messi, attention à cette passe lobée. Putain. Touche. Griezmann. J'ai remarqué Raphaël, il joue même pas en attaque. Juste les côtés. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ah, parce qu'ils ont mis Owen, c'est pour ça. Koscielny. Danilo. Alexis Sanchez.
Vidal. William. Il tente la frappe. Wow, non, putain. Hey. Quel éclair de génie pour passer là. Il aurait vraiment dû planter. Damn. C'est une énorme occasion. Il fallait conclure là. Le ballon en profondeur. Pas possible. Armero. Vidal. William. Il joue dans l'espace. Il frappe au but. Oh, sérieux? Quelle occasion. Mais comment il a fait ça? Il n'y a pas besoin que je le pense. Il a fait tout seul. Un nouveau but. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. Bon, on va pas non plus. Bon, c'est sûr, c'est des grosses occasions qu'on rate quand même. Mais bon, il y a 3-0. Tu vois, quand c'est 0-0. Progresse encore. Oh là là. C'est parfait, magnifique. Non, putain, c'est bien parti. Il remporte son duel. On le contre, l'arme fatale. Oui. Il récupère le ballon. Ah. C'était un bon pressing. Encore 5 minutes et ce sera le repos. Allez, encore une ou deux accélérations. Raphaël. Tout seul. Quel plongeon du gardien. Oh non, putain, je suis dingue. Putain, j'aurais dû la remiser à terre en fait. Pogba. Griezmann. De la jouer dans l'espace. C'est possible ça. Putain, il a du champ sur le côté. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Allez, les gars. Allez, Vidal. Ballon dégagé très loin. William. Elle continue sa course. Oh, très bon ballon. Ah, c'est mal donné ça, putain. Mais si. Moi, je donne des putains de ballons. Le bon service. De venir. Il arrête ce tir sans problème. Oh là là là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Bon là, ça ne passera pas. Avantage défense. Il glisse le ballon en profondeur. Wow. Pas de souci pour le gardien. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Bon, c'est parfait. Trois buts d'écart entre les deux équipes. C'est à se demander quel va être le score final. Ouais. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est presque aussi bien que des mots. La seconde période, c'est parti. Pogba. Raphaël. Oh merde. Kyle Walker. Pogba. Raphaël. Griezmann. Oh, le ballon piqué. Ah, le bâtard. Faut dire ce que veut pousser la passe pour un mini. Quel talent, c'est la classe, j'adore. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? Le doublé, c'est fait, et pour le triplé, que vous dit votre petit doigt. C'est vrai qu'il est en forme aujourd'hui, alors pourquoi pas? Why not? Why not? De la jouer dans l'espace. Oui. Ils alourdissent la marque. Oui. Yes. Quelle intelligence dans la finition. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Il compte désormais 3 buts d'avance. Vidal.
William. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Raphaël. Ah putain. Comment pas il m'a donné à moi. Neymar. Pogba. Raphaël. William. Dans le dos de la défense. Bah qu'est-ce que tu fais pour les rentrer? Bah je sais pas, j'ai appuyé sur carré déjà et il a fait ça. Ah chier, j'aurais dû le redonner, il fait l'appel. Ouais. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Il est solide dans ses duels. Danilo. Armero. William. Il joue dans la profondeur. Oui, joli. Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Bon, t'arrêtes de marquer des buts. Ouais, si je me plains pas, je fais des passes. Il savait exactement où se placer pour atterrir ce ballon. Pas tout faire hein, pour marquer et faire des passes. À lui tout seul aujourd'hui. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Oh, la passe en profondeur. Oh là, oh là là. Oh, cherchez plus. Je suis le meilleur passeur du monde. Le pire, c'est qu'au début, je jouais Sanchez, mais bon. J'ai vu Messi partait. Oh, Sanchez aussi partait. Mais c'est bien, ça fait deux appels, comme ça, ça fait paniquer la défense. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Il garde la balle. Putain. Il ne faut encore faire un seul changement, c'est important. Neymar. Oui. Je vais m'imaginer. Continue à avancer. Raphaël va y aller tout seul. Ah d'accord. Le dernier mot pour la défense. Oui, mais il est bien enfermé. Pour trouver la faille dans la défense. Ouais, mais je veux mal dire. Oui. William. Ils écoutent devant. Ah putain, bâtard. Putain, j'ai perdu trop de temps en fait. Je suis dingue. Vas-y, mal dire, prends-le. Ah, fais chier. Faire du vert, ça, c'est pas bon. Raphaël, il est signalé en jeu. Ouais. Oh, oh. Ah oui. Oh, il est même pas en jeu, lol. À moins que c'est le premier pied qui compte, je vois. Je vais commencer. Ah, c'est chou, de toute façon, l'heure au jeu. La passe dans la rien. Ah, bien intérieur, on passe aux yeux. C'est vrai qu'aux yeux, on a pas trop vu. Oh. Ouais. Lorenzo Insigné. La passe est précise. Bon, c'était peut-être un peu loin, mais il a raison d'essayer. Surtout que c'est l'un de ses points forts. Griezmann. La tentative. Non, putain. Ça m'énerve des fois quand je fais triangle gardien avec ton nain après, quand je relâche. Ah, bah Sanchez aussi, on passe par ici. C'est bien, je ne peux pas remplacer. Ça ressemble trop au match de Naples en fait. Abusé. Ouais, là j'ai fait de la merde. Mamadou Sakho. Pogba. Fabio. Raphaël. Il le retrouve. Pogba. Nkoulou.
Kyle Walker. Il est servi. Vidal s'est fait remplacer aussi quoi. Non, Vidal il joue à droite. Carrément. Isla. Armero. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Di Natale, bien servi sur le côté. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. C'est bien fait. Oh, Steven. Il est chaud, Di Natale. Ça rigole pas. Ok. Ah, oh, shit. Il joue dans la profondeur. Di Natale. Ah, mais wow. Encore pour 2 secondes. Marco Verratti. Di Natale. William. Il adore aller au duel. Boum. Les défenseurs adverses sont prêts. Encore un but. Magnifique. C'est rare de voir une telle puissance, c'est spectaculaire aussi. Le gardien l'a bien vu venir, mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Bon bah on est même match, au même score qu'au match aller. Vice repetita. Et désormais ils ont l'air intouchables. Il tente de la jouer dans l'espace. Et le gardien repousse parfaitement. C'est dégagé loin devant. Oh, oh, on n'a pas été remplacé, waouh. On est trop important. Il salue sa sortie comme il se doit. Dans la profondeur. Non. Ça c'est difficile ce que j'ai tenté. Trop difficile. William. Ah ouais, qu'un supplé, carrément. Normal. Oui, il a senti qu'il allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout donné sur ce coup-là. Quel match, 5 buts. Manita, disait les Espagnols. Bon. Kyle Walker. Marco Verratti. Bonne interception, il y avait danger. Vidal. Percy. Il choisit oui. Sur l'aile. Isla, il est bien placé. Et c'est le but. Désolé père, hein, franchement. Là, c'est... Oh le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien là. Il était masqué. Ok. Toi il est compatible comme moi. Ouais, là ça tourne à la correction. Déjà 7-2 c'est énorme, 9-2. Ouais. Ok. Raphaël. Pogba. Fabio. Raphaël. Ouverture vers le poteau de corner. C'est sûr. Ouais, il a tenté un truc là, difficile. Isla. Ouais. Il récupère directement sur le dégagement. Il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu. Koscielny qui récupère ce ballon. William. Raphaël. Ah. Kyle Walker. Le bon service. Donc ça va partir vite. Allez, il y a la place pour une dernière occasion. C'est bien ce qu'il fait là. C'est intercepté. Enfin un peu d'air pour la défense. Un long ballon dans l'espace.
Quelle passe. Oh dommage, ah, putain, c'est pas ce magnifique. Oh c'est fin. Bon, bah vous avez eu le droit à 11 buts. Contestation après cette victoire, une véritable démonstration offensive aujourd'hui. Beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux, beaucoup d'intensité. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous commenter ce match. Ouais. C'est la fin de notre après-midi football. On doit se quitter d'Arène d'Angleterre. Oh, merci d'avoir été avec nous. Ok. Ah, presque les mêmes notes que... qu'avec Démon. Sauf que moi, j'ai 7-5. Ouais. Moi, j'ai 17. Parfait. Moi, j'ai bien fait de mettre la armée rouille à 6-5. Mmh. Ouais, ça fait jouer. Alors, résultat. Le team y perd. Pas bon pour eux, ça. Démon qui gagne 5-3. Et Nakachev 6-2. Aïe. Ça nous arrange pas ça. Par contre, ce qui nous arrange, c'est que Raymond et Bayern ont perdu un gros. C'est tous les deux perdus. Ouais. Donc on a 8 points d'avance. Donc ça, c'est bien. On n'a pas besoin de regarder derrière nous. Donc ça, c'est cool. Ok, on va regarder vite fait les buteurs et passeurs. Et le prochain match sera donc contre Olympiakos. 26e journée. Donc classement des buteurs. Voilà, donc Raphaël 38 buts. Donc oui, là, il a encore pris un peu plus d'avance. Moi je reviens bien, je suis dans les 3 premiers avec 20 buts. Messi il a 14, pas mal. Ok, c'est trop seul. Ensuite, bien, passeur. Ouais, je reviens aussi soigner ça, c'est bien. Je sais même pas combien de poches j'ai fait dans le match. Je peux même pas dire. Je regarderai dans la vidéo. Mais si on se passe Rafael Sanchez, toujours 7, Soares 6, toujours, ok. Donc voilà, bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et on se retrouvera donc très vite pour la suite. Alors portez-vous bien et salut. Salut.